Bonjour YouTube, bienvenue dans mon studio. Désolé pour mon absence si longtemps et je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé. À tout de suite. Bon, ça m'est un peu plus confortable. Ah. Alors, j'ai oublié ma liste. Bon, on s'installe un peu plus confortablement, c'est plus simple. Donc, je vous explique, il y a 3 ans, un peu plus maintenant, que j'ai quitté mon travail, donc moi j'étais maçon, et j'ai repris mon ancien métier, photographe. Du coup, voilà, il a fallu tout organiser, hein, donc les départs, la reprise, et voilà, trouver genre une clientèle où on peut déjà gagner un peu de sous, genre au tourisme. Donc je me suis mis là-dedans, comme je faisais il y a 30 ans en arrière. Ça, je me suis un peu planté, j'ai pensé que ça va aller très très bien avec l'argent qui va rentrer. Et, sauf que bah, j'ai mal calculé en fait. Je me suis trouvé un peu dans une situation financière un peu pénible. Bon, ça arrive, hein. Surtout... dans la photographie, on est fort concurrencé quand même par tout le monde qui peut faire des photos, hein, on sait, avec téléphone et tout et tout. Maintenant, il y a quand même des gens qui veulent, ils reviennent parce qu'ils veulent quand même une qualité. Et c'est pour ça qu'ils demandent les professionnels. Donc ça commence quand même petit à venir qu'on travaille un peu. Voilà. Donc pendant ces 3 ans-là, il a fallu gérer tous ses clients, trouver des clients, trouver du travail, comprendre et découvrir comment vivre avec très très peu d'argent, et ainsi de suite. Donc maintenant, après ces 300, ça va, c'est toujours une survie, mais ça va, j'ai une réputation, donc je peux maintenant me reconsacrer un peu, d'y aller dans les forêts, dans le, voilà, de faire un peu du bushcraft, faire un peu mon truc, quoi, voilà. Donc, bientôt, vous allez voir une vidéo de moi où je vais sortir. Et là, on verra qu'est-ce que je peux faire. J'ai pas vu mon bob pendant 2 ans, je l'ai pas ouvert. Il est dans un coin, il est complètement plein de poussière, donc ça va être assez rigolo parce que je vais le prendre. Et on va sortir et on verra qu'est-ce que ça donne. Voilà. Je vous mets, si ça vous intéresse, mon travail, je vous mets un lien en dessous de vidéo. Comme ça, vous avez une idée qu'est-ce que c'est un photographe, qu'est-ce qu'il fait, voilà, tout ça. Bon, merci pour m'avoir vu, pour m'avoir consacré du temps. Et je dirais qu'on se voit très bientôt. Ciao!